Bonjour à vous, c'est Gunshow de la FM Steam. Aujourd'hui, je suis de retour pour faire des vidéos. Il y a moins de deux mois, j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà. Et je vais retourner sur un peu sur Rust. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait des vlogs sur le 35. Actuellement, il y en a 50. Enfin, la dernière date, c'est le 50 celui-là. Donc, je mettrai les liens des vlogs sur le. Sur le descriptif de la vidéo. Voilà. Au pire, je vais vous montrer directement les changements du menu et comme il se présente sous cette forme dans la page principale. Moi, c'est les serveurs qui ont quitté. Ils ont implanté un nouveau, nouveau emplacement, enfin des nouveaux systèmes de, pour les serveurs. Voilà. Donc, c'est officiel. Donc, côté modèle, enfin, on juste refait une refonte. Alors, oui, voilà, je cherche un serveur pas trop rempli. Ok, ils sont plus complets. Alors, on va aller sur le serveur de Julie. Vous avez vu, le menu de chargement a changé. C'est une nouvelle gueule qui se paye. Donc voilà, alors. Ah, j'ai dû me faire tuer sur ce serveur. Bon, ouais, c'est vraiment joli. Pourquoi j'ai... Ouais, voilà. Ok, d'accord. Bon, mais passons aux nouveautés. Bon, en nouveauté, apparemment, maintenant, quand on est sur un serveur, on peut voir notre blast de Steam et notre pseudo, comme ça. Donc voilà, moi je suis toujours en... On va dire en très élevé, on y... enfin, je crois que je suis au niveau 4. Donc, ça. Donc enfin, le truc de console a vraiment changé. Donc là, c'est pour tous les items qu'il y a sur le serveur, apparemment. Après, ça c'est Network. Network. S'ils mettent un TS ou autre, on peut le récupérer par là, je crois, normalement. Non, c'est ici, je crois. Non, ça c'est nous. Non, ça c'est notre système de Windows. Console système, on sait pour se suicider et autres. Bon, je sais pas si ça a changé. Bon, ça c'est F2, c'est pour tout ce qui est la qualité. Apparemment, ils ont rajouté le son. Bon, c'est plein de trucs. Donc là, moi je suis niveau 4. Bon, on va dire l'FPS, ouais, on va dire c'est assez correct. Hop. Et F3, ça marche plus. Donc on a plus la version qu'on se voyait en train de... C'est pas plus mal. Après, on avait un truc. Donc, voilà. Alors, aussi pour les icônes, elles ont été changées apparemment. Moi, je suis plus stylé, on va dire. Donc, passons maintenant au craft. Alors, d'entrée, on peut faire, enfin, comme d'hab, ça. Ils ont ajouté les bubble prix, enfin, les trucs à prendre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose dans le craft. Bon, après, il y a les trucs de base, quoi. Et le repère bench qui revient sur le jeu. Et franchement, c'est pas mal. Pour réparer les objets. Parce qu'à chaque fois, les jeter, c'est un peu chiant. Aussi, ils ont changé plein de icônes d'objets. Ils ont rajouté plein de vêtements de base. Comme celle-là, je crois. Ils ont mis des sortes d'habits en jute et enfin. Et d'autres en peau d'animal. Donc ça peut être assez sympathique.
Après, ils ont aussi changé la gueule de ça. Après, voilà. Ouais, maintenant, on a les arcs, on peut les fabriquer direct sans plan, avec les flèches. Et je trouve que c'est pas mal. Parce que avant c'était rien du tout. Donc là on a les flèches par truc. Donc voilà. Bon, après, le mini radial de 35 de tes blogs était court. Il a enrichi et tout. Un truc peut-être pour certains, enfin, je pense que certains ils ont déjà vu ça, pour ceux qui jouent. Parce que maintenant, pour aller tout ce qui est pour l'instant, ils ont mis en place des bidons quelconques sur la map pour faire office de conteneur de plans. Donc après, je vais vous fichier et après vous récupérez. Par exemple, là, j'ai récupéré une flèche, cool, et j'occuperai. Un building plank. Building, enfin, on crée les bâtiments. Donc voilà. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que maintenant, apparemment, quand on fait par exemple un lit, si vous êtes en team, ce qui est pas mal, c'est que on peut maintenant respawn, enfin, quelqu'un crée le lit dans notre équipe. Et ils peuvent vous l'allouer comme respawn. Et franchement, c'est frais parce que maintenant on peut se rassembler. Donc voilà. Et aussi. Pour les bâtiments, apparemment maintenant il y a plusieurs types d'évolution. Enfin, il y a comme d'hab. Enfin, maintenant il y a le bâtiment simple, du coup. C'est juste. On va dire. Vous connaissez la maison des cochons? Moi je connais en fait. Ça commence fût de paille, après ça fait bois, pierre et acier. Et à la fin ils ont ajouté une nouvelle construction, c'est renforcé. Ça prend tous les meilleurs en fait de tous ces paliers et ça fait ça. Dommage que je pense pas que je pourrais faire ça dans cette vidéo. Ils vont vous montrer la construction, là c'est juste pour vous expliquer les. Mise à jour. Voilà. Et aussi. Ah bon, ouais, elle est encore un petit peu bugué, je trouve. Enfin, du moins, c'est que j'ai devant moi là. C'est assez laid. Ah oui, il y a les retours des routes. Et franchement, qui est pas mal. Donc maintenant, il y a les routes. Il y aura. Dans certains quelques endroits, il y aura des ponts. Enfin, des ponts déjà construits, quoi. Enfin, avec les routes. Et aussi il y a les zones irradiées qui sont de retour, enfin les VIP. Et franchement j'ai fait plus de choses à faire quoi. Et la maison on la fait pas en plein de. À part si c'est un fondu de récoltage d'arbres. Ah aussi il y a un truc qui est assez un petit peu embêtant. Bon, avant déjà mais quand vous nagez dans l'eau en fait, maintenant vous avez le cold et le froid et le. Donc quand vous êtes mouillé, qui peut vraiment influer sur la. Donc prenez compte. Il compte que ça fait mal. Surtout quand vous nagez en plein air. Aussi, il y a un truc que j'ai vu qui est. C'est que quand vous montez en haut d'un pic enneigé par exemple, vous avez froid. Il faut être habillé. Donc, non, il aura pu se promener à, comment dire, à poil. C'est un petit peu ouf. Et aussi, au niveau rocher, en fait, le rocher de base, c'est bien pour récolter tout ce qui est minerai. Mais n'utilisez pas une hachette, sinon la hachette va se détruire assez rapidement. La hachette, utilisez que là sur les arbres, quoi. Et la pioche sur les rochers, quoi, évidemment. Ça tombe du sens. Donc, voilà. Bon, apparemment les animaux aussi ils ont été un peu ok, j'ai un cerf qui tourne autour d'un. Ok, d'accord. Enfoiré. Reviens! Enfoiré! Bref. J'aurais bien voulu vous montrer un truc. Enfin, des routes. Mais je sais pas où je suis.
Apparemment, il n'y en a pas à ce côté. Quand même, le jeu est toujours aussi beau. Ça met quand même une claque à l'ancienne version. Ils ont fait une évolution en fait, le terrain maintenant, comment dire, il est mieux fait en fait quand il y a des montagnes, qu'ils ont ajouté normalement je crois les sortes de ruisseaux. Wow, c'était quoi ça? Oh my god, oh shit, oh, putain ils font... Ah ouais, vous avez dit aussi que les animaux seront, on dire, plus agressifs. Donc faites gaffe à votre cul, on va dire, entre guillemets. Ok, j'ai respawn. Donc voilà, ah, et voilà, pour vous montrer les ruisseaux. Qui se jettent dans la mer. Ok, hop. Celui-là il s'est fait une baraque sur l'eau carrément. Ouais. Je sais pas si je peux remonter. En gros, maintenant, il y a ça quoi, c'est chiant, je peux faire mal. Bon là c'est un peu mal fait je trouve, pour le ruisseau, mais dans le sens, c'est simple. Il fait un peu trop sombre pour filmer, c'était assez chaud. La page n'était pas vraiment stable. Enfin, s'il veut bien monter rapidement. C'est toujours mal ce soleil. Je crois que ça fera des dégâts de froid. Enfin, normalement. Sérieux, il court plus là le mec là. Ah ouais, là. Donc voilà, il y a 4 degrés Celsius, 5 degrés Celsius. Donc en gros, plus on monte. Voilà, là je suis en moins. Moins. Donc là, normalement, ça va, c'est passable. Moins 3, là ça commence à piquer. Ah, ouf. Donc vous voyez, j'ai perdu un point de vie. Donc je vais avancer, mais plus il fera froid, je crois. On va éviter quand même de jouer comme ça. Mais... Donc voilà, si vous allez arriver dans des sortes de camps de hauteur, évitez de rester trop dans le coin quoi. Sinon, on peut vous transformer en Eskimo. Donc voilà. Je sais pas si. Ouais, je crois qu'il y a des nouveaux buissons, je crois. Des nouveaux styles. Des nouveaux arbres aussi. Putain, donc j'ai. Putain, mais que pas. Oh. Ok. Donc je vais marcher montagneuse. Youpi! Oh, voilà. Je voudrais bien montrer d'autres choses, mais. Allez, bon, c'est top. Malgré que je vois rien voir, mais vous aussi. Moi je pense que je vois mieux que
dire le aussi au niveau ils ont développé aussi pas mal les murs. Ils sont mieux faits pour tous les développements des constructions. Vous pouvez voir, c'est pas comme avant où c'était un peu horrible. Maintenant je sais pas si vous avez... Ah ouais, c'est vrai que sur l'autre. Je pense que la bombe est tout dit ce qui se passe sur le jeu. Bon, ils ont rajouté plein de des nouvelles armes comme la grosse AK, une AK improvisée, une AK normale. Ah mais voilà, là je crois que normalement il y a une route. Je vais vous montrer la nouvelle route sur Rust. C'est plus les grosses routes qu'on avait sur l'ancienne version. On avait du goudron quoi. Et aussi la torche baisse en durabilité quand on se consume. Donc voilà, ça c'est la route. Ah ouais, je suis normalement congé sur ça. D'accord. Le climat est vraiment implanté, donc faites gaffe, vous allez go. Imaginez, vous allez dans une zone glacée ou congelée. Il faudra des pots ou je sais pas où. Hein. Donc voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser pour cette entrevue du jeu actuel. Un autre épisode, on va dire, allez, on va se mettre à l'heure pour le 51 des vlogs, je vais faire une vidéo. C'est-à-dire, pour jeudi prochain, il montre le des vlogs et le vendredi, normalement, ils feront la mise à jour. Non, ça a été changé, c'est plus le lundi. Voilà. Voilà. Bon, et à plus, bye bye. Et gunshot.